Salut à tous, c'est Sorator pour la suite de mon aventure sur Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Et il va bientôt être 18h, donc je vais pouvoir progresser dans la quête principale. Oui, normalement j'ai un ticket. Here's my ticket. Good enough? Damn right it's good enough for me. But can't you ouais, 18h, ouais, non, mais... n'est pas la minute près non plus aussi. Allez, on a peut-être le temps d'aller faire quelques combats. Surtout qu'il me semble que j'ai plus de PE, donc... Ouais, pas très agréable, monsieur. Allez, on va aller récupérer au moins un PE. Ça pourra servir. Il n'y a pas d'ennemis, là. Oh. Normalement, il y avait des monstres... ceux qui dansent, là. Bon. On va pas aller trop loin parce que le temps passe assez vite. C'est quoi cette crevasse là? D'accord. C'est une crevasse noire et il n'y a rien. Bon. Pourquoi pas? Ah, encore un Anubis. Bon. Viens là. Attaque dans le dos. Parfait. Close your eyes. Alors, je me rappelle plus du tout des faiblesses. Tout en normal, ok. Ah, trop tôt. Et là, on l'affaiblit et on le bombarde. Non, ça n'a pas suffi. Ouais. Ça devrait être bon. C'est bon. Et en plus, une petite compétence. C'est parfait. Coup puissant niveau 1. C'est bien ça. Je vais pouvoir faire des synthèses. Bon. J'ai récupéré un PE. Par contre, au niveau de la vie. Oula, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a du monde qui apparaît. Ouais, c'est magique. Bon, je crois qu'on va lancer le truc. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres monstres. Allez. C'est parti. On lance la quête principale. Oui, j'ai un truc pour toi. Ah oui, bon, hein. Fais-moi pas chier. Voilà. Ouais. Il est maintenant 18h. Que va-t-il se passer? Remember, the tour meets up in... Welcome! Welcome to the famous Sneakin' In Special. Here, here's your ticket. Very good, madam. In you go. Now listen up and let me explain the rules. Participation in the tour is strictly at your own risk. Whatever happens, it ain't our problem. Mais participer à quoi? Je me rappelle même pas. Qu'est-ce que c'est là? Bon, de toute façon, on va rentrer, on verra ce que ça donne. Per the schedule, the delivery is made from the Augur's quarter to the palace. Okay, there's a foul sea called Pandemonium. Eh, le team attaque à distance. Le salaud, j'étais en train de lire ce que me disait Hope. Saleté, va. Bon. Vulnérabilité au feu et à la foudre. Feu et foudre. Donc je te lance de la glace, hein, on est d'accord? Non, l'inverse. Oh là là, mais j'ai n'importe quoi. Vulnérabilité, feu et foudre. Oula, j'étais pas concentré. Allez, hop, on l'affaiblit. Non, comment il attaque lui? Non, je sais pas. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Contre physique, niveau 1. Je crois que je ne connais pas cette compétence. Style. La place de garde. C'est quoi ça? Repousser une attaque d'un ennemi et lui infliger des dégâts physiques. Ah oui, mais c'est un contre. Donc, en théorie, faut le placer avec un bon timing. Bon, pour l'instant, on va pas les équiper. On essaiera contre des monstres très faibles, comme des gloutons. Parce que je sais pas trop ce qui m'attend. Donc, on va pas trop expérimenter.
Bon, j'ai pas compris ce qu'il me disait là, Hope. Humanity wouldn't last long without it. Bon, il y a lui là. Eh, hey, mais hey, c'est moi qui l'ai attaqué là, qu'est-ce qui me fait chier? Voilà, tiens, bouffe. Blood's up now. Putain. Saleté. Bon, Hope, j'ai rien compris à ce que tu me disais. Bon, j'avance, on verra ce que... Attendez, mais... Je vois que j'ai deux marqueurs là sur la map. Qu'est-ce que c'est? Ok, et le deuxième c'est quoi? Ouais, bon, on avance. Je sais pas pourquoi il y a deux marqueurs. Bon, mais... Eh, comment ça me gaver ces robots de merde, hein? Allez hop, électro-impact. Voilà. Bon. Au moins ils sont assez faibles, hein, avec électro-impact. Ça passe très bien. Pourquoi il y a un marqueur ici là? L'hôtesse coince là, elle peut pas passer là, hein. C'est n'importe quoi. Pourquoi il y a un marqueur? Oh, j'ai même pas compris les objectifs. Je vais regarder dans les menus. Eux, ils craignent rien de spécial. Bon, bah, on va les bombarder avec la glace bêta. Quoique attaque physique, ouais. Ça aurait peut-être été pas mal aussi. Hein. Un coup puissant. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre ce costume dès le début pour enclencher regain. Alors, peut-être escalader, non? Passer par les rails pour infiltrer le quartier des augures. Il faut escalader. Oh shit, il me saoule lui. Le robot. Laissez-moi regarder le décor tranquille là. J'ai pas compris si je devais escalader ou sauter d'en haut. Attendez. Bah non, mais. Bon. Eh, non, mais. Eh. Bon. Bouton. Non, mais. Eh. J'ai attaqué là. Pourquoi il me. Bon, j'ai une habilité feu. Et j'ai pas lancé le regain de PV. Oh, putain. Bon, ouais, d'accord. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. J'avais pas vu cet escalier. Et là, il y aurait quoi alors? Attendez, je vais aller jeter un... Oh, mais descends! Patapatate. Y'a pas un coffre? Y'a rien? Non mais quel est l'intérêt, à part me faire perdre du temps, de mettre ça ici? Ils auraient pu mettre au moins un coffre ou un monstre. Non, puis on n'est pas dans un jeu de plateforme, hein, sérieux. Je comprends pas le truc. Elle est pas maniable du tout et nous met des plateformes où faut sauter et compagnie. Non mais n'importe quoi. Vanity will do wonders. The fools are probably bleeding themselves dry for their glittering city. Every day. Security alert code Bravo. There should be a way onto the rail. You just have to find it. Ok, j'adore me faire attaquer en traître. Tu me saoules. Je suis en train de perdre tous mes points de vie. J'ai encore oublié de lancer. Et qu'est-ce que je fais là? Je crois que le combat était fini. Non mais oh là là. Ils me saoulent les gens. Tiens, l'autre il m'enlève 99. Mais sérieux, Blouton, hein. Oh là là.
Now redemption is yours. Faut que j'ouvre un peu mieux les yeux là. Putain, ça fait déjà 19. Ah mais. Voilà. Je me saoule les gloutons. Hein. La bombarde. Time to repent. Genre. Encore oublié de relancer hein, le requin au début du combat. Voilà, bye bye. Bon, on continue. All of the goods produced by the Falci come first to these warehouses. This is where everything is sorted and accounted for. Then they're distributed throughout Usnum. Bon, Hope, je comprends ce que tu me dis depuis tout à l'heure. And we meet again. Voilà. Not a bad victory. So the Falci here is the only source of food materials left for the people in the cities. If Lord Snow were so inclined, he could monopolize the world's resources and become a tyrant. Oh putain, mais j'ai pas le temps de lire avec les combats qui arrivent là. Comme je comprends pas l'anglais parlé, j'en vais relancer Regain, voilà. Toi, je te bombarde, ça tu me foutras la paix. Ils attaquent comment eux? C'est facile à gérer en fait. Et puis je récupère petit à petit un peu de vie. Snow made sure that everyone got what they needed, more or less. It's thanks to him the world hasn't descended into rioting for food and goods. And yet here in Usnon, equality seems like a dirty word. What could have happened to make Snow stop caring like this? On va voir ce qui s'est passé à Snow, ce qui s'est passé, oui, ça se dit. Non, ce qui s'est passé à Snow, non, c'est pas valable pour une personne. Ce qui est arrivé à Snow, plutôt. Et toi, j'ai pas lu ce que t'as dit, c'est pas grave. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'avait pas capté. Est-ce que j'ai des infos sur vous? Vulnérabilité à la foudre. Allez hop, on relance ça. Aïe. Putain, j'ai loupé ma garde. Crotte. Hein. Allez, charge, voilà. Ah, mais... Il est pénible, lui, là. Non, tu cherches pas, si. Pas fragilité, ça. C'est au début qu'il faut lancer ça, pas à la fin. Bon, 0,45, au moins il redonne des PE. J'hésite à lancer une chronostase. Marchand errant, tiens, c'était une potion. Ouais, je vais t'en prendre, je vais en utiliser une. Objet de soin, potion. Je fais un peu n'importe quoi là dans les combats. T'as peut-être autre chose d'ailleurs. Bravo. Ça, je pense qu'il y a un combat de boss à la fin, en théorie. Donc je vais peut-être m'en acheter un. Allez. Encore un de ces trucs là. Bon, il a l'air d'être tout seul cette fois. Ah mais il me saoule à attaquer hein. Bon, en même temps c'est un ennemi donc c'est un peu logique mais bon. Il m'a eu ou pas là? Si il m'a eu. Elle était en train de faire sa galipette. Tiens. Mange. D'ailleurs je devrais peut-être mettre foudre bêta. Je vais changer de costume, style. Donc on va passer à l'abeille électrique. Et du coup à la place de foudre 2,
Glace 2 peut-être. 0,60. 1,16. Voilà. Il est surpuissant ce sort. Ouais, je suis qu'à 0,60. J'avais R2 aussi, ouais, mais il n'y a aucun effet. Mais alors du coup... Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Utiliser Foudre Bêta, qui est moins gourmand mais moins puissant. Force Tenace, augmente les dégâts infligés quand il y a 3 ennemis. Ok. Ouais, mais c'est trop gourmand là. Ça fait 10 de plus par action, c'est énorme. Je vais peut-être te mettre glace alors. Voilà, glace et feu, parfait. Parfait. Bon, y a rien à ramasser, y a pas de coffre. C'est dommage. Keep going along this path and you'll reach the Augur's quarter. Snow's palace is... My sensors are picking up chaos infusions throughout the city. If you keep going that way, you'll end up in danger. Not a whole lot of other options, are there? I wouldn't want to miss the big bash. Ah bah tiens, je disais qu'il y avait pas de coffre. If you want to sneak into the Augur's quarter, you have to go through the industrial... Cravate de soldat. Alors, on va regarder ce que c'est. Style. Ouais. Soldat. Ah, ça c'est pas mal, résistance de 20%. Ah, c'est peut-être mieux de lui laisser quand même les 10% de PV. Hein. Ouais, ça représente ça représente beaucoup de PV quand même. On va la laisser comme ça pour le moment. J'arrive pas à lire ce que dit Hope. À gérer le combat, à bouger en même temps, c'est... C'est un peu chiant en jouant. Il fait que ça parler. Ok, le chaos s'étend. Ok, le chaos s'étend, on sait pas pourquoi, d'accord. Vas-y, charge, hop, on relance le regain. Enragé là, qu'est-ce qui se passe? Time to repent. Ah, je pense que j'aurai le temps de l'achever là. Tant pis, tant pis. Chaos feeds on despair, right? These people come to the revels knowing their world is ending. That much hopelessness. Cherche un moyen de rejoindre les voies de la ligne de fret. Je pense que ça se dit comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, je t'ai coupé, Hope. Excuse-moi. Good place for you to be. You can see it, can't you? This place is going to be Chaos City soon. Lumina. The Sea of Chaos that laps at your heels. It's one of Yusnan's biggest sights. It's like part of the show. Wow, would you just look at it? The chaos is going to swallow everyone up. I think the Savior has to do something. Since it doesn't seem our patron is doing much locked up in his palace. What's Snow thinking? Oh, he's not. At least not about the city. He's just thrown his arms up and given it all up. He's pacing back and forth in that little room of his, waiting for the world to end. You know why, right? It's all because of you know who. She's the reason he's dead inside. You mean Sarah? That's it. You aren't so dumb after all. Of course it's Sarah. Snow's never been able to let go of her.
Do you know how many years Sarah's been dead now? Even so, he goes on pining and dreaming and wishing. He basically wore every bit of himself away. And now there's nothing of Snow left inside. So, sis, how about letting Snow free already? For his own sake. If you ask me, it's time he got out from under all the gloom and memories. ouais. Because otherwise, the only thing he has left to look forward to is the end of everything. D'accord, mais ouais, pourquoi elle m'envoie un cyclope, elle? Aucune faiblesse particulière, d'accord. Alors, facteur de choc, garde précise de ses attaques à coups de massue, attaque physique et attaque physique quand il est en état de choc. D'accord, bon. Comme d'hab, on l'affaiblit, on lance le regain. Non, c'est pas le bon costume, c'est celui-là. Electro-impact. Aïe. Ouais, ça a pas l'air de lui faire super mal. Non, foudre bêta plutôt, allez. Hop, hop. Ah, j'aurais peut-être pu me mettre poison, du coup ça aurait peut-être été efficace contre un boss. Allez, état de choc, non tu veux pas. Ouh, Fury, si il s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il s'est énervé. Aïe. Je peux rien faire! Elle s'envole, c'est super. Hop, on rafraîchit. Aïe. Putain, même en garde, il m'a... Oh là là. Il va se calmer, le petit, là-haut. Il paraît bien énervé. Ah, il m'a quand même eu. Bon. L'œil de Cyclope. Je sais pas à quoi ça servira. I'm fine. I fell into the warehouses. Which way do I head from here? Let's see. I guess that you're near the Augur's Quarter. Start by getting out of there, and quick. Something happening? I'm picking up strong chaos readings all over the city. I can't say what'll happen. Just hurry to the palace. Okay. On est parti. Bon, je sais pas si c'était vraiment un boss, mais c'était plutôt simple finalement. Ok, je vais peut-être lancer. Ouais, on va attendre le chronostase. Il n'y a rien à récupérer là. Apparemment non. D'accord. Les ennemis, c'est quoi? C'est des gremlins, des gremlins. Je sais toujours pas comment on dit. Allez, foudre bêta, on balance. Ok, attendez, je vais relancer. Hop. Voilà, j'ai relancé le regain, regagne un peu de points de vie. Voilà. Encore glace niveau 1 en compétence. J'aimerais bien d'autres choses, là, depuis le début du jeu, il me donne que ça, là, la plupart du temps. Comment on passe, là? Non, c'est plutôt par là. Ouais. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de coffre intéressant, que je suis pas en train de les louper. Ce serait dommage.
Allez, bouge tes fesses. Ah, mais il a eu le temps de m'attaquer. Bon. Voilà. Encore de la glace niveau 1. Il y a l'air d'avoir plusieurs chemins, non? Ouais, j'en sais rien. Allez. On essaie d'aller par là. Faut sauter. Il n'y a rien par terre là-bas. Ah non, il n'y a même pas besoin de sauter. Bah alors. Ou un. Je sais plus comment ça s'appelle. Tigriffeur. On va s'occuper de l'autre d'abord. Aïe. 24 000. Aïe, mais normalement il se soigne là, d'où il m'attaque. Voilà, soigne-toi plutôt. Je sais plus s'ils ont des faiblesses. Donc feu, on va lui balancer du feu. Vu qu'il fait que se soigner là. Allez, allez, hop, voilà. Ou une compétence. Ah, il y a feu plus air. Ouais, d'accord. Mais... ouais. Et si on balance ça sur quelqu'un qui est vulnérable au feu, mais résistant à l'air, ça fait quoi? Feu plus air... 0,76. Déjà, ça a l'air assez puissant. Enfin, plus que... les compétences basiques. Après, par contre, si je lui mets, ouais, elle va perdre des points de magie. Bon. On essaiera de faire des fusions pour rendre ça un peu plus intéressant. Je voulais aller voir là-haut, s'il y a quelque chose. Parce que c'est bizarre qu'ils aient mis ça. Oui, voilà, un petit coffre. Qu'est-ce que c'est? Diadème de lucidité. On va regarder ce que c'est. Alors, diminue la longueur des combos avant le coup final. Quoi? Ah, c'est qu'elle fait son... d'accord. Ah ouais, mais bon, elle est super lente. Moins 35. Ouais. C'est pas GG, je trouve. Allez, on avance. Il y a du monstre. Allez hop. Tu m'as donné... mais... c'est moi qui t'attaque là! C'est pénible le petit là! Tiens! Bouffe! Oui, parce que le dernier coup il est plus puissant, oui. Donc ce que je viens de ramasser, ça permet de déclencher ce coup plus rapidement, mais elle est beaucoup plus lente. Donc ça me paraît pas super rentable le truc. Hein. Encore feu et air. Ah non, glace et foudre, d'accord. Il y a plusieurs mélanges. C'est quoi ça? D'accord, il y a un squelette. Ouais. Bon. C'est pas trop pourquoi. Ah mais. Allez hop. Bye bye. Arrêtez de m'attaquer, les petits là. Allez, meurs! Voilà, puissant. Feu niveau 1. Jette un coup d'œil au cadavre. Ok. Carte d'accès. Putain, je comprends vraiment rien ce que me dit Hope, hein, c'est pénible. Un coup puissant, genre, voilà, on se débarrasse de lui. Allez, mange. Non, niveau faiblesse, oui, il faut que j'évite la foudre, peut-être, vaut mieux le feu. Oh.
bruit qu'il fait. Il y a un chat qui miaule. R niveau 1, ouais. I guess the original owner had the bad luck to run into a hungry monster, and... Well, I don't really have to spell out the rest, do I? Oh! Sérieux. Then we meet again. Saleté de matou. Eyes to the future. On a dit le feu sur toi, hein. Allez hop, une attaque puissante, ça va peut-être suffire. Voilà, 33 000. D'ailleurs, je vois que je suis à 6 PE, donc je vais en profiter pour relancer une chronostase. Hop. Allez, encore un couloir qui sert à rien. Super. Et oui, ils sont obligés de me popper à la tronche là, ils peuvent pas apparaître avant. Allez, meurs. Voilà. Foudre, ouais. On continue d'avancer dans ces grands couloirs. The door is locked, but you should be able to use that ID to open it. Mais pratique, j'ai trouvé la carte il y a 3 secondes. Tiens, c'est quoi, une médaille ou autre chose? Flamme du désert. C'est quoi, c'est un objet de quête? Inventaire. Qui en forme un peu de chaos. Chaos, ouais. Bon, c'est peut-être un... Ouais, c'est sûrement un objet de quête, je sais pas. Serment des marchands. C'est quoi tous ces objets là que je ramasse? Une enveloppe renfermant le serment de la guilde des marchands à Yousnan. Ok. Bon, apparemment y a rien. On se balade dans des zones vides. Ouh, des confettis. If you have an ID, you'll be able to walk straight into the Augur's Quarter through the front gate. You should head for the Augur's Quarter before the deliveries start for the palace. Informateur. T'as quelque chose d'intéressant à me vendre ou j'ai déjà tout pris? Non, j'ai déjà tout acheté. Bon ben... Bye bye. That golden statue is a symbol of Yusnan's wealth and power. And you'll certainly never get lost with that. Tiens, tu peux pas me redonner des feux d'artifice, toi? You've gotta get to the Augur's Quarter. Miam miam tchaka tchao. I'm so sorry. I knew I forgot to tell you something. Ugh. I knew I shouldn't have said it. Bon, ça marche une fois. Losers Weaver. On vous a volé vos fusées. Sale gamin. Je peux lui botter le cul, non? All right. Give it back. Sale morveux. Hein. Give what back? What are you talking about, lady? I can get rough if that's how you want to play it. Ugh. Do you always go around bullying kids? Go on, take your stupid stuff, I don't want it. C'est le mioche. Trancher la tête. Saleté. Bon, je voulais aller voir lui là. Tant que je suis là. C'est trop tard. Oh ben, salut. Hein. Tant pis. Pas me rendre malade pour une quête. Enfin, c'était peut-être une quête intéressante, mais c'est pas grave. Je vais peut-être aller faire un tour en ville. Je sais pas si j'ai fait des quêtes... Bon, celle-là, je viens de la perdre. Non, toi, il manque toujours un coffre. Et toi? Je sais même plus, j'ai utilisé ton objet, mais je sais pas si ça marche. Bon. Déjà, on va ramasser ça. Ça fera un peu de sous. Je suis déjà allé. J'essaye d'écouter, voir si j'entends de la musique. Ce qui voudrait dire que je suis pas loin d'un coffre. Tiens, déjà patronne, tu veux pas me vendre une petite boisson? Hop, on va se remettre d'aplomb.
On va relancer une chronostase. Et regarder s'il y a des nouveaux trucs. Ouh, des flancs. Je peux pas les attaquer? Si? Non? Ouh, je suis vilain. Et hop, je te dégomme. Je crois que c'est le feu qui craigne, non? Quasi-immunité à la foudre, ouais. Donc plutôt du feu. Et puis redonne plein, ouais. 0,40. Ouais, mais il m'attaquait pas au début, enfin par défaut, ouais. Je sais pas. Là-dedans, y'a rien. J'ai vu un truc bleu là. Ouais, bon, je pense que je vais aller progresser dans la quête secondaire. quête principale, justement. Pas quête secondaire. Mais je suis jamais venu de nuit là. Je pensais qu'il allait y avoir des nouvelles choses à faire. Hop, on va tuer vite fait. Un deuxième coup. Et vous? Je vous bombarde avec du feu. Voilà. Encore 0,40. Garde vitale. Ah, je crois que je ne... Ouais, j'en avais pas. Parce qu'il me semble que j'en avais dans la démo. Donc je crois que ça redonne des points de vie quand on maintient la garde. Ouais, mais alors du coup, ça doit être moins efficace, ouais. 40%, 25%. Garde vitale, je vais peut-être te le mettre à toi. Ou à toi. J'en sais rien. Allez hop. Donc pour gagner de la vie, c'est le costume de Cloud. Ouh, j'avais même pas vu ça. Allez, un truc intéressant. Segré de garde d'élite. Ouais, d'accord, merci. Je préfère un accessoire utile. Oui, d'accord. La libératrice, oui, c'est bon, j'avais déjà vu. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit tour? Je vais juste aller voir l'alchimiste, voir si j'ai validé sa quête ou pas. Et j'entends toujours pas de musique à part la musique par défaut. Tiens, un peu d'artisanat. Alors, on va faire par catégorie. Cryo Impact. On va peut-être faire dans l'autre sens. Il est où le Cryo Impact? Voilà, il est là. Voilà. Ensuite, attaque. Touk touk, allez hop. On va booster tout ça. Quoique, attendez, je devrais peut-être plutôt en booster qu'un seul. Celui-là, il est à 0,70 et celui-là, il est à 0,55. On va plutôt finir de booster celui-là. Ah, il est prêt à passer au niveau 2. Mais je ne sais toujours pas comment on passe les compétences au niveau 2. Aéro Impact, on va les fusionner. Oui, allez hop, c'est parti. Ensuite, coup puissant, ben, on fusionne aussi. Hein. Voilà. Le reste, on laisse comme ça. En magie. Magie, je commence à en cumuler pas mal. Hein. Surtout les glaces, là, regardez toutes les glaces que j'ai. Feu. Non, t'es pas à fond, donc on va te booster un peu. Hop. Ça y est, il est à fond. Ensuite, le reste. Je vais pas y toucher pour le moment. On laisse. Ensuite, là-dedans. Pour rien faire, là-dedans non plus. Allez, hop, c'est bon. On continue.
Armurier. Je sais plus si j'ai acheté ici. Ah, c'est que des accessoires. Ok. C'est plutôt ça, voilà, que je veux voir, le forgeron. Voir si je pourrais pas acheter des armes intéressantes. Ah, j'ai pas assez de sous. Ouh, force 650. Oh là là. Je sais pas comment, ouais, essayer de trouver un moyen de gagner plein de sous d'un coup, ce serait pas mal. Bon, après ça va peut-être ouais, décoller tout seul. Tiens, bah allez, encore un petit combat. En progressant dans le scénario, peut-être que ouais, on aura de plus en plus d'argent facilement. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Hop, ensuite, les flancs, on les bombarde avec le feu. Ça marche très très bien, je regagne des PE. Et donc on va relancer... non, qu'est-ce que je fais? Pouvoir, chronostase. Hop. Je crois que je vais... ouais. Je vais plutôt... Ah oui, non, j'avais dit je vais voir l'alchimiste, oh là là. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du combat. Ah, there you are. Well, well. Did you drink my nectar? How did it work? It didn't. Nothing happened, bad or good. Si, j'ai regagné de la vie, je crois. Interesting. Very, very interesting. It appears that by mixing the poisons, rather than creating a new effect, they simply neutralized each other. Well, it was kind of refreshing, but the effect was pretty subtle. It didn't lift curses or cure wounds. Refreshing. That would suggest a positive influence on your state of mind, just as I anticipated. I still believe my theory is sound. It is a simple matter of tweaking the ratios of the recipe. I'll make another batch right now. Oh, ça en plusieurs fois. You want me to test it again? Of course I do. An alchemist does not give up the search for truth because of one little setback. No, science must plow forward through stormy seas no matter what, and you will join me on this journey of discovery. Bon, ça me coûte pas grand chose, hein. My new and improved concoction. Contre les poisons. Ouais. Nectar Mark 2. Use it in your next battle and then return and tell me how wonderful it is. Oh dear, you are carrying a lot of things, aren't you? Oui, je vais te donner une potion. Vendre. Objet de soin. Allez, potion. Et puis je te prends ton nectar plus. Allez, donne-moi. Nectar Mark 2. Donc, en plein combat, pas besoin d'être... Alors attendez. Donc il est censé être un puissant antidote. Tester son efficacité contre le poison, ouais. Je sais même pas si j'ai déjà subi du poison dans le jeu là. Quête secondaire. Bon bah dès que je subis du poison, hein, faut que je pense à l'utiliser. Allez. Miao miao choco chao. Ouais, plus rapide encore. Allez hop, une fusée. Je sais même pas quoi ça sert de cumuler les fusées. Ah, y a un costume. D'ailleurs, j'ai parlé sur la fanfare, mais bon. Costume, ok, bah on va regarder ce que ça donne. Micote. Well, you got your hands on a rare garb. The Makote are a legendary race said to live in another realm. So it's just some fairy tale? Oh, fairy tale. Lul. I think it looked great on you. Ouais, on va regarder dès que tu as fini de me parler. Hop. Sounds nice enough. Maybe I'll get to see it someday if it exists. Ouh, une échelle. Ah ben non, bah apparemment je suis déjà venu. J'ai rien dit. Je vais vérifier.
Oui, je suis sur la bonne route. Par contre, il y a un endroit où je suis jamais passé, je crois, c'est dans ce petit chemin là, justement. Bah. Alors attendez, sur la map, je vois qu'il y a un chemin. Donc, ce soit par là-haut, et que je. Allez, range ton arme là. Bah non, c'est pas relié. Bah mince alors. Ou alors c'est une impasse dans l'autre sens. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Descends. Allez, grouille. Grouille-toi. Là, y a rien à faire. Alors, on va aller regarder dans l'impasse. Mais non, mais c'est ça, ça a l'air d'être une impasse. Ou alors ça repart. Non, je pense pas. On va les regarder. Oh, bye les gremlins. Gremlins. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, j'avais pas capté que c'est par là que je suis revenu. C'est pas grave. On les récupère, voilà, hop. J'avais pas capté. C'est par là que nous sommes revenus de la zone industrielle. Hop. Bon. Alors au cas où, on va regarder le costume tout de suite. Je ne sais pas s'il y aura une scène qui va se déclencher. Alors, à la place d'abeille électrique, on a dit... Oh, elle est toute mimi. Alors, garde vitale. Bêta. Pourquoi bêta? Qu'est-ce que ça veut dire? Garde guérison. Attaque astrale. Alors par contre, ouais, ça diminue la TB. Ouais, mais ce costume, il donne PV plus 15%. Ah. Mais ouais, mais garde vitale, quoi. Bêta en plus. Je sais pas trop ce que ça veut dire, bêta, pour le costume. Pour le costume, pour la garde, je veux dire. Et attaque astrale, ça se trouve, ça déchire. Attaque astrale. Bah, je vais quand même l'essayer, le costume, attendez. Oui, en plus, il est classe, le costume. Ce serait dommage de s'en priver. Donc, par contre... attaque physique... peut-être changer ton arme. Quoique, PV plus 500, c'est pas négligeable non plus. On va regarder. Ouais, je pense que je vais la laisser comme ça pour le moment. Le bouclier peut-être. PV max, mes gardes 0. C'est toujours le même problème, hein. Plus de vie mais plus lente. On va la laisser comme ça pour le moment. Par contre, j'aimerais bien essayer donc attaque astrale. Et je vais te mettre ce costume par défaut. Eh oui. Comme ça, tu vas te balader avec ton costume tout mignon. Y a pas des flancs, rien. Bon, on essaiera plus tard, c'est pas grave. On avance. Ouh, médaille. Médaille. Encore une médaille. Il y en a partout. J'ai rangé l'hôtel. Non, j'ai pas envie de dormir. Alors attendez, parce que je crois que j'ai vu que ces bonhommes-là, là, ils donnaient des costumes. Enfin, des costumes qu'on peut trouver dans le jeu, mais bon, je me tais, on va regarder parce que j'ai peut-être une bêtise. Si, ouais, encore, c'est très long. Pourquoi c'est aussi long? Alors, surprise que de Phoenix. D'accord, je dis une bêtise. Mais c'est que c'est un message officiel. Ça doit être ça. Et si c'est pas ça, ben, je dis du caca. Si, puisque le surnom c'est At Lightning Returns FF13. L'application Facebook est disponible.
Partager les scores de combat. Des messages, des amis. Ouais, hop. J'avais vu qu'il y avait un bonhomme comme ça, là, @LRFF13, qui donnait des costumes. Alors ça dépend peut-être duquel. Je ne sais pas. Bon, par contre, on va se laisser là. Et on garde la surprise pour le prochain épisode. Et ben, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut !